Il Gran Paradiso Film Festival è partito con un ospite d'eccezione, il principe Alberto di Monaco. Gran Paradiso Film Festival e Ambiente, un binomio che da sempre ha caratterizzato la manifestazione e che quest'anno ha vissuto un preludio con una presenza molto speciale, quella del principe Alberto II di Monaco. Il sovrano monegasco è da sempre impegnato in diverse tematiche legate all'ambiente, tanto da aver creato una fondazione. Sul palco è stato intervistato da Luisa Guillermo, direttore del Gran Paradiso Film Festival. Pour ce festival qui a sa 22e édition, je crois, et qui a un rôle important, comme qui veulent avoir une certaine idée, une certaine vision des choses, et votre vision et le thème aussi que vous avez choisi cette année pour mieux comprendre et mieux vouloir s'engager pour que nous ayons tous moins d'impact sur notre nature, sur la nature et sur l'environnement en général. Et je crois que c'est extrêmement important, comme Luc Jacquet le disait maintenant, de faire passer ces messages. All'intervento del principe è seguita in prima nazionale la proiezione del film La montagne aux histoires del regista Luc Jacquet, premio Oscar per La marcia dei pinguini, presente in sala. Moi j'ai passé beaucoup de temps en montagne, une partie de mes études concernait même l'étude des écosystèmes de montagne, c'est donc un sujet qui me parle particulièrement, qui me tient à cœur. Et je pense que le plus important aujourd'hui pour moi, c'était peut-être de faire le lien entre les hommes et les femmes qui vivent dans cette montagne et les paysages et la montagne elle-même. Dopo questo importante preludio, il festival entrerà nel vivo il 22 luglio per concludersi il 26.